Amta Thiaw, dëkk Lompu sur mer. Di liggéey ci wàllum transformation. Am naa ñeent fukki at ak juróom-ñeent. Am naa borom kër tamit. Am naa juróom-benni bant. Ma ñaar fukki at maa ngi liggéey ci kee bi. Liggéey bi de am na solo wax dëgg yàlla ndax ñoo ngi ciy gis suñu bopp di ci jàppale suñu njaboot. Waaw loolu moom boole nañ ko ci. Liggéey bi permettre nañ ñu mën a yor suñu kër, yor suñu xale, mën a yëngu tam ci tool yi. Période bi moom liggéey bi dafa bëriwul, dañuy fortaat koom-koom bi wàññeeku. Li jën doon bëree fii ak ni gaal yi doon teer léegi moom melatul noonu. Am na nag ñu naan jamono ji moo soppeeku, waaye loolu moom suñu xam-xam eggul foofu. Soo ci demee di nga ci mën a amee dara pour def ci sa biir kër rek, yow yaa ngi ci yëngatu. Dëgg am na jëlee nañ ci lu bëri ndax waxtaan yi ñu doon waxtaan bu ñu demee séminaire bu ñu demee woowee KMR ñu dem ba ñëw. Bu ñëwee dañuy regroupé jigéen ñi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom lañ fay jël. Ba pare tam ñu wax jigéen xamal jigéen ni leen ni lépp lu leen jaaxal bu ngeen demee KMR ci kër ga bu ko ngeen ko fa jooytoo muy wàllu àq ak yelleef dañ koy faj. Bu fekkee soppi doxalin am na fi ndax yu bari yu doon am dootoo ko fi dégg même bu dee ci jigéen ñi defaraat nañ seen jikko ba seen ak seen toogaay daal. Xam naa ne fàttaliguma daal jigéen bu mos a jóg ci fii rek ci kër dem foofu ci këru jigéen ñi. Ndax am lu la metti ci sa jëkkër wala ci sa njaboot wala dara dafa mel ni daal waxtaan yooyu ñu doon def bëri na coppite ko yu bëri yu muy indi ci biir dëkk bi. Ci jigéen ñi bokk salaamaaleykum mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen di déglu rajo góorgóorlu 104.fm kaddu gi di bàyyi ko fi ci diwaanu Ndiey. Tey nag dañu am benn émission bu bees émission spéciale. Xanaa rek balaa ñuy présenté ñi nga xam ne ñoo nar a animé émission bi xam ngeen ni que tey nag ngelaw li dafa bëri daanaka climat bi dafa xaw a changé tuuti xaw a mbooyee tuuti ba tax na rek xam naa ne dinañ ci waxtaan tuuti. Man maa ngi tudd Matti Sant Thiam, maa ngi dëkk Gétt-Ñinga, am naa 30 ans, am naa benn doom. Su ma waree fóot warañu ci tool bi damay teel a yeewu fóot sama yére ba mu set su ngoon gaa ma gontu ñëw ci tool bi. Tool bi nag roose bi metti na metti wut. Ndax wax dëgg yàlla roose bi rek tàng ne nii rek sotti nii rek man jàpp naa ni metti wut. Ndax loolu noonu yàgg nañ kaa bëgg te mënuñu koo am. Kon tey loolu waa Fadeg ñoo ñu ci jàppale ba indiluñu loolu ba loolu taxaw. Kon ñoom ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax. Ndax ndox dañ naan yow ay 4h du matin dem di rooti di xaar robinet robinet tëj. Te tey loolu bi Fadeg solidarité ñëwee loolu lépp dafa jeex ndax tey forage bàyyi ni sumbet. Man la Roqoya Badiane, am naa 40 ak juróom, maa ngi dëkk Njaxeer. Am naa tam juróom-ñaari doom. Ma fi ñëw nag booba wax dëgg yàlla jamono ji wute naag léegi.
ndax ñun bu ñëk fi dafa metti won da nga daan jog 4 heures du matin dañ daan jog ñëw ci téni di rod di jukki nga dogo ñëw bëgga togal xalé yi ndeki bëgga défar say xalé ñuy jàngi wax dëgg yaalla mu metti won loolu ci ñun bidon yi da ngay roñ bidon ba son yëkëti bidon yi mujj na ñun jigéen yi ñëpp seen dënd yeek ñëpp awo ko ndaxum rod ta bu ñëk dañoo sonnon ndax amuñu won ndox fimné nak ñi ngi liggéey liñ ci bëgga def ta sonnuñu ndax ndox mé tax sonnuñu L'impact de la déréglementation climatique du Sahel vers la partie guinéenne influe négativement puisque la nappe phréatique diminue et les quantités même des eaux qui se trouvent dans ces nappes phréatiques diminuent. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Même au niveau national, avant, c'est à 65 mètres que les forages, qu'on les appelait des forages négatifs si on ne trouvait pas l'eau. Maintenant, nous allons jusqu'à 100 mètres pour déclarer un forage négatif. Et la différence entre les deux, ça coûte énormément cher au niveau équipement et au niveau même réalisation des forages. C'est ce qui fait que beaucoup de ces populations en zone rurale n'ont pas d'eau et essayent d'immigrer vers des zones où on peut en trouver. Ndax dañ ñoo indil forage ñu déna ci lay yam ñu défal ñu ci tool bu ñu liggéey ñun jigéen ñi ndax ñun amuñu won bénn métier loolu toog rek di wax lu ñor standard ñu da suñu yitté yépp moy tool bi kenn ku nekk da nga yakamté def li ngay def ba paré ndax ñi ngi bay luñ bay nak danaka wa dëkk mën nañu wa dëkk bi lu ci bari ñom ñokoy jënt gis nañ ci suñu bop bu baax ndax doon nañ ci bay di ci lek di ci jaay ba ñi ngi ak suñu kees gis nga ko defon nañu début budget bi barki dem xam ngeen ni kon gis nañ ci suñu bop kon nañu ñi ngi ni jëmbaté man xam ko ñu non lañu man xam ni ñi jëmbaté tay tam wax deug yalla gis nga ko xa li ngeen ñon di loon daaw ñu liggéey ci lañu jëndaat jiwu ren pombe terre nga ne soble changement tol bi nak ñun bay nañ kani am nañu kanja ak bisab pépinière nañ batañsé ak jaxouté ak salade ak kani légui ñu jënd nañ suñu garab jënd mo suñu mango jënd suñu orange jënd suñu limon jënd suñu carosol lépp lool lépp tay jënd nañ ko am nañ fa papaya yépp lool lépp jënd nañ ko ci suñu xaaliss ba def ko ci tool bi biñ ñu ko joxé ku ne gis nako gis nga tool bi ni ñu ñew fi wax loolu ñu waxanté ak wa dëkk bi bañu may ñu tool muy 1 hectare mi ngi ni moma lañu ko ñun jigéen ñi ngi kayitu tool bi ak yépp mi ngi ci man may présidente mayor kayité ak yépp Oui, vous savez, on est dans une société patriarcale. On dit que la femme n'a pas accès à la terre, c'est l'homme qui a accès à la terre. Mais il faut faire la différence. Ça, ce sont les gens qui le disent seulement de bouche à oreille. Mais la loi sénégalaise, elle affirme et confirme l'égal accès des hommes et des femmes à la terre. Aussi bien que l'homme que la femme, tout le monde a le droit d'accéder à la propriété foncière. Ça, c'est un droit constitutionnel. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est certaines croyances, on dit que oui, la femme n'a pas le droit d'accéder à la terre. Non, nous luttons pour ça, pour que la femme puisse avoir accès à la terre, au même titre que son frère, son époux, son neveu ou son oncle. La femme aussi, elle n'a pas besoin de son mari, de son père pour avoir accès à la terre. Il suffit juste qu'elle fasse une demande là où elle doit la faire, faire la demande. Et puis suivre la procédure aussi, respecter la loi aussi. Il y a un principe qui est clair au Sénégal, la loi dispose l'égal accès des hommes et des femmes à la terre. Ça, c'est un fait, c'est un droit constitutionnel.
léeg mu tang léeg mu sedd sans dépend climat bi mom ku ne gis nako nawet bi tam gis nga ko nawet bi ku ne xamna ni nawetu ren mom moy lolu liñu bayon danaka amuñ ci dara climat bi mom des fois mu tang des fois mu sedd ndax mu tangé danaka set moy li bo nga ci liggé da ngay gawa son demenu lu lax ñun ñi tam buñ tédé liggé tam dañu gawa son ni gaaw mag motax ñu tamu ci bu sédé ni wax dëgg yaalla ñun moñu gëna ndax bu sédé suñu gañ tax gi ma sha Allah du sonu bu am yaqku yaqku té day gaawa dem bo waral nak kon wax dëgg yaalla fadé solidarité internationale jappalé nañu ndax su nawet musul wona amit dañuy continuer rek di peuvre di dem légui bi nawet amulit ñongi bay suñu xol di sédd wax dëgg yaalla na nga gis gañtax gi ni ko ne xamna ne gantax mom dafa sedd xol te bu ñeuk buñ musana bay amuñu daraat dañuy tok rek di teud ka nelaw bon si nous voulons parler du changement climatique effectivement on a des ressentis durant ces dernières années qui se traduisent par une fluctuation des quantités d'eau reçues par année et du comportement des cultures durant l'hivernage. Cela se reflète d'autant plus que les résultats que l'on a obtenus durant ces dernières années aussi, c'est des hauts et des bas. Nous, en tant que techniciens, nous l'apprécions à plusieurs niveaux. Niveau pluviométrie, niveau édaphic sol, niveau qualité semence et pratique culturelle évidemment. Par rapport à la pluviométrie, nous avons constaté en tout cas ces dernières années que les quantités, déjà par rapport à l'installation, on a un recul. Cette année, on a reçu tôt les pluies avec des quantités beaucoup plus importantes. Mais ce qui est bizarre, ce que l'on a comme résultat, l'année dernière, malgré les faiblesses des quantités d'eau reçues, on a une production beaucoup plus importante par rapport à cette année. Cuando estamos hablando de cambio climático de origen antropogénico, estamos hablando de un cambio climático debido a causas humanas, ¿no? Por lo tanto, no solamente es una variable ecológica, sino también es una variable económica, social, política y de relaciones de poder, ¿no? Y además, el cambio climático también es una variable global, ¿no? Entonces, nos está hablando de una cuestión planetaria a nivel global y también de las desigualdades a nivel global. La paradoja del cambio climático, esa que nos va a hablar y nos dice que justamente los pueblos africanos, que son los que menos han contribuido a la emisión de CO2, son los más vulnerables y los que más lo sufren, dentro del continente se va a profundizar esta paradoja si hablamos de colectivos. Y los colectivos que van a ser más vulnerables van a ser las mujeres, los niños y las niñas y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en este sentido, es una paradoja también dentro del interior del continente, ¿no? ¿Cómo vas, Andrés? ¿Indi? Ma len nuyen ñep kenn ku la sa tro sa tante man la nday awal jek rek ke Sidi Mbeng ma nga am ñen fekk at ak juroom legi ma nga am juroomi bant legi bu jek ba machine bi bam legi machine bi mom nopal nañu ndax bu jek bay amul woon bo daan xey da ngay nek di wal da nga deub sa loxo soko am ag nga dogo wolbati ko sabati dogo wolbati wal dogo wolbati ko diko wal wala nga diko def lenen legi nak wala nga jël da ngay jël sa wal yobbe dekk ak dekk nopal nañu ndax legi buñ sabate
dañu daal bu 5 heures dañu daal dem jël suñu wal daal dem waliji daal di dik tay bu re suñu ciaré lañuy tay ñu tay suñu ciaré bu re ciagri lañuy défar ñu défar ciagri bu re sankal lañuy défar ñu défar suñu sankal wa légui bu ko défé lool tamit yëmuñu ci ndax té bu jangal nañu ñi jangalé olof ñi bindé olof kenn ku na fim toll sa téléphone ya ci bindal sa bop ya ci défa sa bop yépp wa légui bu bamu jangalé ba paré mu daal ñu indi suñu machine bi mu ko indi lé kenn tégnu ci yoon war wax ñu ñi nga xamné si mom lañ koy sayto nos producteurs ont des pratiques de terrain qui ne sont pas adaptées des fois, qui ne sont pas adaptées à nos réalités, d'où une transformation en tout cas des pratiques ancestrales. À cela s'ajoute la qualité des semences qui des fois laisse à désirer. Donc il nous faut une forte politique de reconstitution du capital semencier, une forte mécanisation de notre agriculture pour que, en tout cas, si toutefois nous obtenons des quantités d'eau satisfaisantes, que l'on puisse en tout cas avoir une bonne production. Même sur le plan foresterie, cela se voit parce que il y a les espèces fourragères qui sont surexploitées par nos femmes, par nos amis bergers et Paul, qui font de la commercialisation des gousses, des fruits pour les animaux. Donc ce sont ces stratégies que les gens adoptent pour faire face à la tension budgétaire, à la tension sociale. Donc c'est un phénomène qui nous affecte tous, hein, parce que face au changement climatique, il y a eu beaucoup de perturbations, surtout sur la saison agricole. Et jusqu'à présent, on est en train de voir comment s'adapter à ce changement climatique. On a instauré un produit d'épargne, épargne résilience, on l'appelle. Il s'agit de faire une petite épargne chaque jour. Il y a des collectrices qui sont sur le terrain pour faire la collecte de la petite épargne, pour permettre aux femmes de se préparer face à certains événements qui peuvent surgir à tout moment. Et la campagne agricole de l'année dernière l'illustre beaucoup. Il y a eu beaucoup de pluie, mais les gens n'ont pas récolté. Et ça, si tu n'as pas gardé quelque chose qui te permet de survivre, ça peut t'affecter et ça peut créer vraiment des conflits sociaux au niveau des ménages, au niveau de l'éducation des enfants. C'est pourquoi, pour un premier temps, puisqu'on n'a pas une connaissance sur comment faire pour former les gens sur les changements climatiques, au moins on a essayé avec cette petite épargne résilience qui leur permet de garder quelque chose qui va leur permettre de survivre en cas de survenance d'un événement. Pour le moment, c'est là où on est. Ma ngi tuddu Mariama Lo, na ngi dëkk fi ci Ndié. Ma ngi judd 1982, amna 40 ans. Amna ñetti gos, marié, dama marié tamit en plus. Man nak dama nekk jigen jo xamné femme au foyer la. Damay liggéey ci biir kër gi. Heure bu ma xeyé dina nettoyer kër gi bam baax. Damay xey fajar 6 heures du matin la yew. Amna ay jafé yu bari sax parce que bu ñëkkoon ginaal ciuj bu daan ñëw day nekk ciuj bu baax. Boko mësan yor 30 jours rek mën ko jaay légui dang koy téy 45 jours wala 2 mois sax nga sokko mëna jaay aliment bi cher na
bu ñëkkoon aliment 15 000 la daan jar léegi aliment day dem ba 20 000 francs nga soog a jaay. Ba pare tamit ginaar bu njëkkoon la gën a yomb 2500 la doon jar léegi muy jar ay 3500 waaw yooyu jafe-jafe moom am nañ ko ci wàllum ginaar yi. Niñ daan jël wàññeeku na bu baax parce que pondeuse yi bu njëkkoon dañ daan jël ay 2000 pondeuse di ko yar léegi jëlatuñ ay 2000 ay 1000 la ñuy jël te ba pare dafa bëri feebar dafa bëri ay mortalité moo tax instant yi sax bu njëkkoon da nga daan ñëw fekk poulay yi fees dell ak ginaar instant yi sax dañoo pause dañoo pause parce que dafa bëri ay difficulté ñu bëggoon def na désinfecté poulay yëpp nettoyé poulay yëpp soog a commencé waat. Bu njëkkoon bu mu saan ñëw fi yëpp da nga fekk fi yëpp am ay ginaar wet ay ginaar mais jafe-jafe yooyu moo tax léegi yooyu yëpp amatu fi. Ak di yor forage di servir nit ñi ndox waaw loolu yëpp ci développement ñu ngi fay waa ndox mi ñu ngi fay bu baax ndox mi moom macha allah. Las mujeres en el último informe de expertos intergubernamental de expertos del cambio climático del 2022, del año pasado, ha puesto de manifiesto la capacidad de mitigación, adaptación y resiliencia de las mujeres. Entonces, una de las cosas que ha hecho el cambio climático es justamente visibilizar eso que estaba invisibilizado, ¿no? O sea, esa capacidad de mitigación y adaptación y resiliencia de las mujeres, ¿no? No solamente por los saberes y el conocimiento que tienen tradicional sobre la gestión de los propios recursos, sino también nuevas estrategias de adaptación, mitigación y de resiliencia, ¿no? Sobre todo de resiliencia, yo creo que es lo más importante. ¿Y por qué es importante la resiliencia? Porque la resiliencia implica cambios estructurales y tenemos que ir a cambios estructurales, ¿no? Al fin y al cabo, la mitigación es mitigación y adaptación es enfrentarte a lo que ya está, ¿no? Pero la resiliencia implica cambios a futuro, ¿no? Je suis Abdourahmane Ba, qui travaille à Pinière Lompoul, à Béthéye. La plantation, je l'ai travaillé en collaboration avec Eau & Forêt pour KMR. Les arbres ont été cultivés, les singes, les nep-nep. Les arbres ont été faits à Pinière Lompoul, où ils ont été parqués à Bémot. Nous avons été indiqués ici, Djemberko, and ak jigéen ñi ñëpp gis seen bopp du dépôt jëkkoon nekk fii désert la woon am woon benn garab mais bu solidarité ñëwee and ak Eau & Forêt ñu gis liggéey ñu gis affaire baa ngi avancé mu yàq dëkkuwaay yi di yàq tool yi si lañ jël engagement nekk reboisé ko bi fa tulla ku ñëw xam ne fii vraiment liggéey baa ngi dox suuf si demoon sul fenn kër yaa ngi taxaw tool yi kenn sulatul